Recevez de la part de Dieu la grâce, l'espérance et la paix. Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, telle est la promesse que nous a faite le Christ. Et c'est lui qui nous accueille maintenant, avant que nous ne le cherchions. Il nous a trouvés. Avant que nous le connaissions, il nous a connus. Avant que nous venions ici, il nous a appelés. Soyez les bienvenus ce matin en ce temple de Champelle où nous sommes réunis pour faire monter à Dieu nos chants et nos prières et pour méditer ensemble la parole que Dieu nous adresse. Et pour entrer dans ce culte, nous invoquerons la présence de Dieu avec les psaumes, le psalmiste qui dit ceci, « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? Il est le soutien de ma vie, que craindrais-je? Écoute ma voix, je t'invoque, exauce-moi. Mon cœur me dit de ta part, cherchez ma face, et je cherche ta face, ô Éternel. Tu es mon secours, Dieu de mon salut. Enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la justice. J'espère en toi, tu me fortifies, et tu affermis mon cœur. Amen. » Et je vous invite à chanter au numéro 364, et nous chanterons ce petit cantique en entier, les trois strophes. Écoutons comment Dieu veut être servi. Soyez miséricordieux, comme a dit Jésus, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et l'on vous pardonnera. Donnez et l'on vous donnera. On se servira pour vous de la mesure avec laquelle vous mesurez. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, si vous ne faites pas ce que je vous dis? Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. À l'amour que vous aurez les uns pour les autres, tous reconnaîtront
que vous êtes mes disciples. Et nous resterons quelques instants recueillis dans la prière. Dieu de Jésus-Christ, notre Dieu et notre Père, quand nous oublions que tu es tendresse et souffle pour le monde, viens nous toucher. Quand parfois nous ne percevons plus ta présence, quand dans la vie quotidienne, ta parole a cessé d'être vivante et qu'elle n'anime plus nos cœurs, viens nous toucher. Ô Dieu, quand nos soucis, nos préoccupations, si absorbantes parfois, nous font oublier les souffrances de notre prochain et les graves injustices de ce monde, quand la tristesse nous accable au point que l'envie de prier se dissipe, ranime notre joie de vivre, relève-nous devant toi. Quand la routine nous replie sur nous-mêmes, quand nos mains sont fatiguées et que nos voix se taisent d'avoir à témoigner de toi, inspire-nous et nous recevrons le courage nouveau qui vient de toi. Nous t'en prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je vous invite à chanter la première strophe du numéro 405 après les paroles de grâce et la confession de foi. Nous enchaînerons au même cantique par la troisième strophe, 405. Recevons l'assurance que nos prières sont entendues et exaucées. Quand les montagnes s'effondreraient, quand les collines chancelleraient, dit le prophète de la part de Dieu, ma bonté ne faiblira pas, mon alliance de paix ne sera pas remise en cause, car je t'aime d'un amour éternel et je te conserve ma miséricorde, ne crains point, crois seulement. Et je vous invite à vous recueillir dans cette confession de foi que j'ai choisie, au fond, un peu lyrique pour ce jour ensoleillé qui annonce le printemps et qui dit ceci. Dieu Père, ton jour viendra et cela me suffit. Tu es mon calme dans l'inquiétude, ma lumière dans la nuit, ma consolation dans les misères et les défaites de la vie. J'ai été conduit à toi par la voix des prophètes et de l'Évangile, par la fleur des champs et l'étoile du ciel, par la clarté qui est dans l'ombre des humbles comme au front des justes. Mais je n'ai plus besoin de témoins désormais ni de preuves nouvelles. C'est en toi seul que je crois et que je veux m'assurer pour la vie, la mort et l'éternité. Amen. Troisième strophe. C'est par elle que je place
8, la prière de consécration du temple de Jérusalem. Salomon, debout devant l'autel et face à toute l'assemblée d'Israël, étendit les mains vers le ciel et dit « Seigneur, Dieu d'Israël, il n'y a pas de Dieu comme toi, ni en haut dans le ciel, ni en bas sur la terre, pour garder l'alliance et la bienveillance envers tes serviteurs qui marchent devant toi et de tout leur cœur. Tu as tenu tes promesses envers ton serviteur David, mon père. Ce que tu avais dit de ta bouche, tu l'as accompli de ta main, comme on le voit aujourd'hui. À présent, Seigneur, garde en faveur de ton serviteur David, mon père, la parole que tu lui as dite. Quelqu'un des tiens ne manquera jamais de siéger devant moi sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils veillent sur leur conduite en marchant devant moi, comme tu as marché devant moi. À présent que se vérifie donc la parole que tu as dite à ton serviteur David, mon père. Est-ce que vraiment Dieu pourrait habiter sur la terre? Les cieux eux-mêmes et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie? Sois attentif à la prière et à la supplication de ton serviteur, ô Seigneur mon Dieu. Écoute l'appel et la prière que ton serviteur t'adresse aujourd'hui. Que tes yeux soient ouverts sur cette maison jour et nuit, sur le lieu dont tu as dit. Ici sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur adresse vers ce lieu. Daigne écouter la supplication que ton serviteur et Israël, ton peuple, adresse vers ce lieu. Toi, écoute au lieu où tu habites, ô ciel, écoute et pardonne. Nous poursuivons avec Matthieu au chapitre 12, les épis arrachés. Un jour de sabbat, Jésus vint à passer à travers des champs de blé. Ses disciples eurent faim et se mirent à arracher des épis et à les manger. Voyant cela, les pharisiens lui dirent « Vois tes disciples qui font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Il leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ses compagnons? Comment il est entré dans la maison de Dieu et comment ils ont mangé les pains de l'offrande que ni lui ni ses compagnons n'avaient le droit de manger, mais seulement les prêtres? Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, dans le temple, les prêtres profanent le sabbat sans être en faute? Or, je vous le déclare, il y a ici plus grand que le temple. Si vous aviez compris ce que signifie « c'est la miséricorde que je veux, non le sacrifice », vous n'auriez pas condamné ces hommes qui ne sont pas en faute. Car le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Et nous terminons avec Corinthiens au chapitre 3. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et ce temple, c'est vous. Dieu de Jésus-Christ, notre Père, envoie sur nous ton Saint-Esprit, éclaire nos cœurs, nos intelligences,
de manière à ce que nous recueillions dans ta parole ce qui importe pour nous aujourd'hui. Nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ. Amen. Et je vous invite à chanter au numéro 332, et nous chanterons ce cantique aussi en entier. Vous avez entendu que dans sa controverse avec les pharisiens, Jésus évoque une réalité mystérieuse. Il y a ici plus grand que le temple. Ce temple, bien sûr, c'est celui de Jérusalem, l'édifice le plus sacré de la foi juive, et qui est abondamment évoqué dans la Bible, et qui, de façon très insistante, sert de décor ou de toile de fond ou de référence au ministère de Jésus. Et à partir, je dirais, de ce mini fait divers que constituent ces quelques épis de blé arrachés un jour de sabbat, je pose la question suivante. Pour notre foi chrétienne, existe-t-il des choses, des lieux qui seraient sacrés, c'est-à-dire intouchables, inviolables, des fragments de ce monde qui seraient mis à part parce qu'il concentrerait plus particulièrement la sainteté? En définitive, pour notre foi, qu'est-ce qui est véritablement sacré? Donc, un jour de Shabbat, Jésus laisse ses disciples enfreindre la règle du repos pour la raison que ceux-ci ont faim. En effet, cueillir des épis de blé ce jour-là,
était assimilé à un travail, et notamment pour ses redoutables et très pointus casuistes de la loi, qui étaient les pharisiens. Le septième jour, tu ne feras aucun travail, c'est le quatrième commandement. Et donc les pharisiens profitent de l'occasion pour mettre Jésus en difficulté. Et Jésus se place d'emblée sur leur terrain, c'est-à-dire le terrain de la controverse juive qui à ce moment-là ne s'appelle pas encore le Talmud, mais qui va le devenir quelques siècles plus tard. Et ce terrain, c'est celui sur lequel on examine une question concrète. Est-il permis ou non de rompre la règle du sabbat quand on a faim? Il ouvre une controverse d'interprétation. C'est quelque chose que nous voyons souvent dans les évangiles. Et là, il argumente à partir de l'Écriture, l'Écriture qui, je le rappelle, pour lui et pour eux, est ce que nous appelons l'Ancien Testament. Le Nouveau n'est pas encore là, puisqu'il est justement en train de s'écrire, si j'ose dire. Il explique son point de vue. Pour lui, il n'y a pas de violation de la loi dans ce cas précis. Et son argumentation prend le temple pour décor. En effet, chaque sabbat, on disposait en offrande sur l'autel du temple une douzaine de pains frais. Ces pains frais, il n'y avait que les prêtres qui avaient le droit d'y toucher. Or, l'Écriture rapporte qu'il s'est trouvé un cas dans lequel cette règle a été transgressée. C'est quand le jeune David, qui n'était pas prêtre et pas encore roi, s'est emparé de ses pains pour se nourrir, lui et ses compagnons, parce qu'ils avaient faim et qu'ils étaient poursuivis par le féroce roi Saül. L'autre argument invoqué par Jésus est une permission qui est tirée de la loi. En effet, la loi fait une exception à propos du travail pour les prêtres. Les prêtres, dans l'enceinte du temple, ont le droit de travailler le jour du sabbat. Voilà, c'est ainsi. Conclusion, dans certains cas, effectivement, il y a plus grand que le temple, c'est-à-dire il existe quelque chose qui est prioritaire par rapport à toutes les règles qui entourent la sainteté, puisque le temple recelait le Saint des Saints, n'est-ce pas? Ce quelque chose, Jésus laisse entendre qu'il a à voir avec la prédication du prophète Osée. Ce que je veux, c'est la miséricorde, et non le sacrifice. En d'autres termes, ne te contente pas d'obéir aux règles, mais privilégie toujours l'engagement moral. Et le plus étonnant de l'affaire, vous l'avez entendu, c'est que les pharisiens ne réagissent pas. Ils gardent le silence. Ils s'en tiennent là. Alors que d'habitude, eh bien, ils ne se gênent pas pour relancer le débat, contredire Jésus, essayer de le confondre, et puis ça continue. C'est presque un jeu d'ailleurs. Et là non, silence. La seule explication de ce silence, selon moi, c'est qu'au fond, ils sont d'accord avec lui. Son plaidoyer pour ses disciples n'est apparemment pas une si grande hérésie que ça. Il s'appuie en effet sur l'enseignement traditionnel. Les pharisiens savent que Jésus a raison. En fait, il a la tradition de son côté. Et leur silence dit qu'ils sont battus sur le propre terrain. Et cet enseignement traditionnel, c'est le suivant. Lorsque la vie humaine
est menacé d'une quelconque manière, toutes les règles religieuses sont suspendues. La loi ne s'applique plus. Et c'est une application directe du commandement central, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce commandement passe avant tous les autres, et lorsque la vie humaine est menacée, il supplante tous les autres. Et cette leçon, qui est très ancienne en réalité, et qu'on retrouve dans beaucoup de commentateurs anciens, elle explique les paradoxes qui entourent la construction et l'usage du temple de Jérusalem tel que rapporté dans le livre des rois. Nous avons entendu la prière de consécration de Salomon au moment de la dédicace du temple, mais quand même, cette prière est très étrange. « Les cieux des cieux, dit Salomon, ne peuvent te contenir, combien moins cette maison que j'ai bâtie. Ici, on viendra prier, et toi, tu écouteras depuis là où tu habites. » Quand même, vous êtes d'accord que c'est paradoxal. Ce que dit Salomon, c'est que le Dieu très haut n'habite pas dans un lieu saint. Il ne peut pas résider dans un petit coin spécial et mis à part de sa création, pour la bonne raison qu'il dépasse sa création. Et dès lors, il est clair que le temple matériel, aussi vénéré soit-il, c'est une maison de prière. Et rien d'autre. Au fond, Salomon a presque l'air de dire que cette maison de prière n'est pas essentiellement différente de celle que dans laquelle nous sommes rassemblés maintenant. C'est la présence de Dieu et non l'édifice matériel qui définit le temple véritable. Et cette présence, où faut-il la chercher ? Dans la communauté vivante des fidèles. Et c'est une présence en plus qui est conditionnée par une attitude. Je suis en vous et vous êtes mon temple. Tant que vous pratiquez la justice, tant que vous suivez ma parole, c'est vous-même qui, par votre conduite, avez le pouvoir de rendre saint. Ça ne sert à rien de venir offrir des sacrifices dans un lieu officiellement saint si vous ne commencez pas par vous réformer vous-même. Et du coup, nous comprenons que le temple véritable, ça n'est pas un lieu physique, mais c'est une dimension spirituelle. J'ajoute, une dimension spirituelle et morale qui nous rassemble tous. Le Dieu que nous vénérons, ça n'est pas un Dieu extérieur, dont on se protégerait en l'enfermant dans un palais doré, auquel j'irai rendre visite en suivant tout un protocole préparé bien à l'avance en cas de besoin. Mais il est au contraire le Dieu intérieur, le Dieu intime, qui exige de moi la miséricorde envers mon prochain. Ce que je veux, c'est la miséricorde et pas les sacrifices. Voilà ce que les pharisiens, par leur silence, sont bien obligés de concéder à Jésus. J'en viens maintenant à l'affirmation de Jésus « Il y a ici plus grand que le temple ». Jésus parle-t-il de lui ? Beaucoup de commentateurs vont sur cette piste. Et ça nous amène alors vers les grandes christologies que nous trouvons par exemple dans l'Épître aux Hébreux. J'aimerais tenter autre chose. Il me semble que si Jésus parlait de lui, jamais les pharisiens n'auraient laissé passer ça. Affirmer que ma personne est plus grande que le temple, c'est le blasphème par excellence. Et je vous rappelle que c'est sur ce blasphème-là qu'il est condamné par le Sanhédrin. Donc, il parle de quelque chose et non de quelqu'un. Et ce quelque chose, à mon avis, c'est la fin des disciples.
la faim pressante qu'il faut assouvir, mais qu'il faut aussi interpréter, la faim des hommes et des femmes ne représente-t-elle pas la justice minimale à laquelle chacun a droit sous le soleil, le droit de s'alimenter, le droit de renouveler ses forces, le droit de persévérer dans son être déjà au sens biologique? Que disons-nous dans le Notre Père ? Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Sans pain, la famine gagne et la vie cesse. Bien sûr, nous entendons que cette faim est également spirituelle. L'homme ne vivra pas de pain seulement. C'est la faim de sens à la vie, la faim de guérison de l'angoisse, la faim de paix intérieure, la faim d'harmonie. Tout cela est au fond universellement partagé par la condition humaine qui gémit dans sa misère. Et je crois que c'est cela qui, pour Jésus, est plus grand que le temple. C'est cela qui est la priorité. Et le temple n'est qu'un instrument au service de l'assouvissement de cette faim. Ça a été d'ailleurs l'axe central de son ministère, et d'une certaine manière, c'est aussi la tâche qui nous laisse aujourd'hui. Alors je reviens à ma question de départ. Qu'est-ce que notre foi doit considérer comme sacré ? Nous avons vu que les Écritures nous offrent là-dessus un continuum très remarquable. Elles font toujours la différence, dès le début, entre le temple extérieur, construit par les maçons et les architectes, et le temple intérieur, qui est lié à la pratique personnelle de la justice et de la foi. Un temple matériel, c'est un lieu témoin. Et c'est seulement ça. Et c'est cette réalité que nous vivons maintenant. Alors bien sûr, c'est un lieu nécessaire. Pas question de dire qu'on va supprimer tout ça. Parce que ça nous rappelle l'importance de la réalité divine. Mais ça n'est qu'un signe. Un petit peu, si vous voulez, comme le baptême ou la scène ne sont pas en eux-mêmes des gestes sacrés, mais sont des signes de la grâce de Dieu, des signes qui renvoient à une réalité invisible. Alors bien sûr, quand on se promène quelque part dans la campagne, qu'on voit une chapelle, une église, un temple, ça nous renvoie quand même à la réalité invisible que ça veut marquer. Mais c'est un point de repère. Et étant donné que nous ne sommes pas des anges, disons pas encore, on a besoin de ces repères sensibles. Hein. Comme dit l'Ecclésiaste, Dieu est au ciel et toi sur la terre. Voilà. Et l'apôtre Paul a résumé ça dans sa saisissante formule. Ne savez-vous pas que c'est vous qui êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? De la même manière, la loi de Moïse, la loi, elle est pour l'homme, mais pas l'homme pour la loi. C'est en ce sens que Jésus dit, le Fils de l'homme est le maître du Shabbat, c'est-à-dire le Fils de l'homme signifiant très simplement dans les Écritures quiconque appartient à l'humanité. Et par la foi, vous êtes, je suis le maître du sabbat. Quant à ce que nous devons tenir pour saint et sacré, encore une fois, c'est lié à la miséricorde. Je dirais que ce qui est sacré, c'est l'attente en chacun que l'autre ne nous fasse pas de mal. La véritable sainteté, l'intouchable sainteté, c'est tout ce qui suscite notre compassion
et notre charité. Ce qui est sacré, c'est ce qui, dans ce blessé qui est abandonné après une agression au bord de la route, va émouvoir le Samaritain de passage et qui va le pousser à une miséricorde active. Ce qui est sacré, c'est ce qui, dans notre prochain, est le plus fragile, le plus exposé, le plus vulnérable et qui finalement appelle notre protection. Aimer son prochain comme soi-même, ça implique que même si on n'arrive pas à l'aimer tout court, parce qu'on ne peut pas aimer tout le monde sur commande, il ne faut pas rêver, on sait bien que c'est comme ça, on peut déjà faire une chose, c'est éviter de lui faire du mal. Et éviter de lui faire du mal, c'est déjà une première manière d'aimer notre prochain. Ne pas faire de mal revient à aimer dans l'autre la sacralité de la personne humaine, cette personne humaine dans laquelle Dieu a mis son image. Alors j'entends votre objection, vous pouvez dire, bon, très bien, mais vous devez avoir l'impression que je passe un peu vite sous silence toutes ces pages dérangeantes et un peu sombres de la Bible, dans laquelle la vie humaine ne semble pas toujours très respectée. Et vous me direz, mais que faites-vous de cette violence meurtrière qui s'exprime parfois et qui notamment va s'exercer contre Jésus pour le mener à la croix? Et dans ces pages-là, oui, la sacralité de la personne humaine, elle est bafouée, c'est vrai, c'est vrai. Mais la parole de Dieu n'encourage pas ça, elle ne le prescrit pas. Elle ne demande pas de notre part que nous déchaînions une quelconque violence. Au contraire, déjà au cœur du décalogue, tu ne seras pas meurtrier. Albert Schweitzer avait sa manière à lui de résumer ça. Il disait, respecte la vie, le respect de la vie. Bon, la Bible, en fait, décrit simplement la violence dont les hommes sont capables, la barbarie qui les habite. Et elle le fait à travers une histoire. Pourquoi? Parce que c'est l'histoire qui nous dit, qui nous montre comment les êtres humains se comportent. C'est l'histoire qui nous montre ce qu'ils sont en vérité. La Bible nous met sous le nez des instantanés sanglants de cette histoire pour nous dire « tu peux faire mieux, tu peux, tu dois surmonter le barbare qui est en toi avec l'aide de Dieu et force-toi d'aller vers la meilleure version de toi-même. » Et vous voyez que brusquement ça ouvre sur un enjeu de civilisation. Elle est là, la civilisation. C'en est le moteur, surmonter la barbarie intérieure. Je crois que ça n'est pas inutile de rappeler ça dans la période crépusculaire que nous traversons. Chaque fois que la barbarie inhérente à l'être humain est vaincue, la présence de Dieu est effective. Mais chaque fois qu'elle reprend le dessus, elle est en exil. La présence part en exil. Parce que selon le prophète Ésaïe, à ce moment-là, lorsque nous laissons libre cours à la barbarie, nous livrons la maison de Dieu aux flammes. Que Dieu nous donne d'aller vers la meilleure version de nous-mêmes. Amen.
resterons recueillis quelques instants dans la prière d'intercession. Seigneur, tu vois la misère de l'humanité qui nous entoure et la fragilité de nos vies. Tu sais combien la tristesse et la peur barrent le chemin qui mène à toi. Béni sois-tu parce que ton Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse et nous permet d'intercéder. Nous te prions pour tous les meurtris de la vie, pour les victimes de l'injustice, pour ceux qui sont malades et vieux de corps et d'esprit. Nous te prions pour ceux qui sont aux prises avec les violences de la guerre, des souffrances et de la mort que cette guerre entraîne. Nous te prions pour celles et ceux qui sont victimes des soubresauts de la nature et des catastrophes naturelles, comme actuellement en Turquie et en Syrie. Nous te prions aussi pour ceux qui combattent cela, qui combattent toutes les formes du mal, les sauveteurs, les médecins, les chercheurs, ceux qui veulent la vérité, la justice et la paix. Nous te prions pour ceux qui n'ont pas la force de lutter parce qu'ils se croient abandonnés et seuls. Tout cela permet que nous te les remettions et qu'aujourd'hui, nous sachions confier nos pas et ceux qui nous tourmentent à ton insondable bonté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous induis pas en la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Les annonces de la semaine se trouvent donc au dos du papillon que vous avez reçu en entrant. Et aujourd'hui particulièrement, votre offrande qui sera recueillie tout à l'heure dans le chant final est en ce dimanche destinée à la communication de notre Église protestante, puisque vous savez que l'Église, et d'ailleurs nous aussi, en tant qu'Église aussi, nous sommes engagés dans la communication de l'Église, dans son amélioration, ce qui suppose évidemment l'amélioration des sites Internet, le développement de messages vidéo et de différents canaux de communication pour pouvoir être entendu dans le monde dans lequel nous sommes. Un grand merci donc à toutes et à tous pour votre soutien précieux. Et je vous invite maintenant à chanter au numéro 354. Après le chant, je vous prie de bien vouloir rester debout pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Et bien sûr, après le culte, vous êtes invités à participer, ou plutôt à continuer cette rencontre, mais d'une manière moins formelle, autour d'un café, ou peut-être mieux, nous aurons le plaisir de vous y rencontrer, mon collègue Emmanuel et moi-même. 354, Dieu Tout-Puissant. Te viens juger par le monde.
suscité sur notre vie. C'est le cri de les puissants. Ose, dis-je, en fera justice. Et pour la veuve et l'orphelin, la sorte enfin sera propice. Autant jadis tu fis le don à Salomon de ta sagesse, donne aujourd'hui ton Esprit Saint. Dernier mot encore. Si vous souhaitez le texte de la prédication de ce matin, il est à disposition à la sortie du temple et vous pouvez l'emporter. Recevez de la part de Dieu sa bénédiction, que la grâce de Dieu le Père, que l'amour de Jésus-Christ et que la communion du Saint-Esprit soit avec chacun et chacune d'entre vous. Allez dans la paix qui passe toute intelligence. Amen.